Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les gars, je vais vous montrer comment mettre ce film Garfield 2. Ça marche avec tous les autres films dans son ordinateur. Donc là, vous voyez que là, il y a le trou du CD ici. Et là, c'est le truc projeté juste là. Donc il y a un abonné qui m'a posé une question. Donc tout d'abord, tu vas l'ouvrir, ce qui est logique. Donc tu l'ouvres. Alors, je vous reprends quand je l'ai ouvert. Hein. Ok, c'est bon. Là, il y a le petit film Garfield 2. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le regarder. C'est très, très bien. Donc là, vous le prenez. Vous prenez le CD. Et là, en gros, vous allez le glisser là. Donc, je vais prendre mon trépied. Ok, les gars. J'ai mis mon trépied. Donc là, on voit un peu. Donc là, il y a le truc, le CD. Vous le mettez délicatement dans votre ordinateur. Écoutez, ça fait un petit bruit. Et là, ça veut dire que... Voilà, alors attendez, je vais prendre le téléphone. Et là, sur le côté, normalement, ça va mettre un message. Comme il est bien... Il est bien certifié, on va dire. Voilà. Regardez Garfield 2. Donc regardez ça. Normalement, ça doit faire ça sur votre PC. Après, pour vous rendre, vous allez aller ici dans ce PC. Et là, vous avez votre truc là. Et là, juste à côté, vous avez un truc qui s'appelle lecteur BD Room. C'est sûr, hein. Et 0 octet. Bon, voilà. Donc, même là, vous aurez le nom. Donc, c'est comme ça. Hop, c'est comme ça. Donc, vous cliquez deux fois. Donc, là, on attend. Donc je vais baisser le son pour les droits d'auteur. Et là, vous pouvez tout faire, mais vraiment. Alors là, vous pouvez changer le langage, changer la scène, changer plein de trucs. Donc par exemple, je vais changer le langage. C'est un peu chiant. J'avoue que là, c'est... Ouais. Bon, ça bug un peu. Alors attendez, au pire je vais relancer. Bon bref, en gros c'est le même principe avec tous les CD, hein, les gars. Mercredi Adams, etc. Oui, c'est quoi ça? Bon bref, je pense que vous avez compris le principe. En gros, vous pouvez tout changer dans le langage et sélectionner et tout. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et aussi, vous pouvez agrandir ce que je vous conseille. Et ça, après, ça va s'enlever. Regardez. Donc, tu glisses ta souris là. Ça va s'enlever. Et là, je peux choisir. Hop. Bon, ça bug un peu parce que voilà, mais voilà. Donc, en gros, ça te fait un petit film comme ça. Bon, sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et j'espère que ça vous a bien servi si vous voulez regarder des CD, les gars, dans votre ordinateur. Oui, ça peut servir. Donc, voilà, les gars. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss.